Un autre épisode. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la chaîne du sorcier Encore un épisode. Dans ma série des épisodes des bifs. Il euh, y a le bif. Ça, c'est un récent bif. Hein. C'est un peu passé inaperçu un peu dans le grand public. Mais dans la communauté hip-hop, ça, un petit peu, fait du bruit. Est-ce que c'est un bif qui s'est littéralement créé sur Instagram Live On vous a dit, les bifs de hip-hop, ça commence toujours, c'est les bifs les, les, les plus drôles pour des situations qui n'ont aucun fucking sens. Aucun fucking sens. Qu'est-ce qui s'est passé entre Loupi Fiasco, qui est sur le côté gauche Rosda Maintenant, il faut un peu remettre le contexte de qui est Lupi Fiasco et qui est Rosda parce que peut-être les, les, une certaine audience ne connaît pas qui sont ces deux mecs-là parce qu'il faut, faut avouer qu'on vit un peu dans l'air de la trappe et il y a des jeunes auditeurs qui sont fans de trappe qui ne peuvent pas forcément connaître ces deux individus. Lupi Fiasco, c'est euh, si je peux un peu résumer un peu à ma jeune audience un peu Lupi Fiasco. Euh, essayer un peu de voir un mec euh, qui aurait été Kendrick Lamar, mais qui n'a pas eu le succès de Kendrick Lamar. Ça, si tu veux un peu... Si je veux résumer le Lupi Fiesco, c'est un peu un mix entre Kendrick Lamar et Shandish Gambino, si je peux faire un peu... pour, pour faire imaginer un peu ma jeune audience. C'est-à-dire un peu deux paires... Un gars qui avait remis un peu au goût du jour... Euh, le côté un peu rap nerd qu'on pouvait voir un peu, qui n'était pas, qui avait disparu un peu. Et c'est Jay-Z qui a énormément participé à l'évolution de la carrière du gars. Je crois que c'est lui qui le trouve pour le donner, qui euh, le fait signer après à Atlantique. Et après de ce deal qu'il fait à Atlantique, il a un featuring dans le fabuleux Touch the Sky de Kanye West il apparaissait vraiment pour la première fois dans un grand public. Et puis, pour moi, il y a ces deux albums que je considère comme les meilleurs albums de hip-hop de tous les temps. Euh, Food and Liquor, du, sorti en 2006 avec le, le, le single Kick Push, un peu que tout le monde connaît, que la plupart des gens connaissent. Et le deuxième album, The Cool, qui était une suite magnifique à Food and Decor, avec la chanson que je chantais au début, Hip Hop Save My Life, euh, Superstar, il y avait tellement de trucs, c'est un album magnifique. Et le Fiasco, à une époque, était un peu considéré comme le sauveur, à juste titre, comme le sauveur du hip hop. Le gars à droite que vous voyez là, il s'appelle Rose da Fifth Night. Chez nous, il y a une expression un peu pour décrire certains individus qui on connaît seulement. Euh, comment on appelle un peu ça Les, les individus sans vouloir être méchant qu'on traite un peu de l'arbin. Chez nous au Cameroun, on appelle ça les Chinda. Ça c'est le plus grand Chinda d'Eminem depuis le début de sa carrière. C'est-à-dire que c'est un collaborateur d'Eminem de depuis vraiment le début. Hein. Vraiment depuis le début, c'est il était même signé chez Eminem un peu sans Shady Records. Il a été dans le super groupe de hip-hop, hein, à un moment donné, à la fin des années 2000, avec Joe Budden Joel Ortiz, Rosda Nine et Crooked. Crooked, comment il s'appelle encore là C'était Crooked Eye Oui, c'est Crooked Eye son nom ouais, Crooked Eye là. Qui s'appelait Slugger House, qui était considéré comme le groupe, le super groupe de hip-hop qui était signé chez Eminem et tout, on se disait, oh les mecs vont devenir je ne sais pas quoi. Euh, Ross Da il a sorti énormément de, de, de super albums un peu vers la fin des années 2010. Là il y en a sur deux de là dont j'ai oublié encore le titre. Je vais remettre ça en post prod et tout. Qui est truc c'est un rappeur qui est excellent, c'est un rappeur qui a, 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 a roulé sa bosse dans l'industrie, qui euh, est aussi un vétéran de du hip hop un peu qui a dont on peut lui donner son respect par rapport à plein de choses qu'il a fait. Euh, plein de choses qu'il a fait oh, ou tout, tout notamment il y avait encore le, le projet qu'il avait fait avec Eminem euh, la Bad Meets Evil là que j'aimais beaucoup bon on a affaire à euh, deux individus que je trouve assez important dans l'histoire du euh, assez important dans l'histoire du pop récent hein. le Fiasco, pour moi c'est une légende lui euh, légende c'est juste qui n'a pas le super succès euh, comme on appelle commercial, il a eu du succès, hein, mais pas un succès commercial de ouf, de truc. mais tout le monde sait que, bon, toi, euh, à la fin de la journée, quand il ne sera plus là, on va le mettre one of the greats, oui, lui, il est parmi les one of the greats, et Odrosda Fifnice, c'est un excellent rappeur, mais on le mettra pas dans la même dimension que l'Opifiasio. Bon, bref, qu'est-ce qui a fait que ces deux cocos-là s'empoignent Ces deux cocos-là, à la base... Ils ont un podcast ensemble. Ils avaient un podcast ensemble. Ils avaient un podcast là et autres et tout qui était euh, tranquille où ils discutaient un peu de tout et de rien et tout. Et dans ce podcast là, un jour dans un épisode qui où il y avait, euh, c'était, euh, je sais pas, il était dans un truc d'un gars qui s'appelait Yongu. Il y avait aussi Lux. Il y avait un gars qui s'appelait Madamox et autres et tout. Et ils étaient tout, tout en train de discuter tranquillement, sans euh, truc. Et à un moment donné, il commence à comment on appelle, le dire, à se taquiner un peu. Et dans le taquinerie, euh, les gars essaient un peu de monter la sauce, là, les d'amour, mook et l'eau de luxe là. c'est un peu de monter la sauce en disant, ouais, mais qui vous, qui se bat, euh, qui vous bat dans le battle, hein, qui vous bat dans le le battle, qui se bat dans les battles, c'est-à-dire dans la battle, je sais que euh, qui peut dire qui est fort entre les deux. Tu vois, Rosda Fifnan essaye tranquillement un peu d'éviter un peu la situation en disant que, bon, on n'est pas là pour le sujet et tout, mais je sais que si je me mets, euh, comment on appelle ça, si je me mets en battle contre lui, il n'aura aucune chance. Lopi Fiasco lui dit, ok, je ne veux pas aussi entrer dans le truc, mais si tu veux faire le truc, si tu veux euh, me provoquer. Tu vas avoir ta part aussi dans le truc si on, on fait une bataille et, et tout. Et ce qui était un truc tout calme où les gens s'amusaient a commencé à monter en tension tout seul. Tout seul où les négros commençaient à s'insulter. Et l'auteur Royce de la qui commençait à dire tu parles à qui et tout. Et le pifiasco qui commençait aussi à s'énerver en disant que oui je t'attends. Ça c'est parti du négomomètre comme dans la il fallait voir ça. Moi, j'étais là à l'hippo quand j'avais vu ça sur Instagram. suis dit, mais c'est quoi ça ils vont, ils vont vraiment s'énerver pour rien. Moi, je croyais que c'était d'abord une publicité stunt, quoi. Que c'était un peu faux. Mais les mecs étaient hyper sérieux. Hyper sérieux. Ils ont commencé à se lancer des insultes de nulle part. Pour. Euh, comment on appelle ça un peu la colère Ils ont commencé à se lancer des, des insultes de nulle part. Dans le live Instagram, là, c'est parti en couille. Et puis le mot de trop qui a été lancé, c'est rosda 9 qui l'a traité de, qui a lancé le b-word, le... Le, 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 il a traité de bitch, il a traité de salope, il a traité de salope. Loupifiasco, on en a entendu ça. Il a fait mes sons Instagram. rosda 9 entre temps, est parti aussi enregistrer un son qui s'appelait. Silent, Silence of the Lambda. En gros, euh, le son euh, dans Salon à Lambda euh, essaie de se moquer un peu de l'Opi Fiasco, que lui, euh, il est un nerd qui fait du karaté. Bon, tu vois un peu les trucs un peu de street, un peu à la con que tu es un nerd, que tu qui fais du karaté, tu es truc, tu veux tout monter, que tu es philosophe, bla, 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 tu n'es qu'un nerd, 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 En gros, le son racontait ça. C'était un peu euh, facile, un peu euh, lambda, c'est peut-être lui-même qui sonnait plutôt lambda, et c'était pas très, très, très créatif. Par contre, puis Fiasco est revenu avec un truc qui était violent. Je me rappelle, le titre c'était encore quoi le, Il est revenu le répondre avec un truc qui s'appelait euh, Steve Jobs SLR31-2. Le mec, il a, monté, il a mis la photo de Steve Jobs. Et il a littéralement déchiqueté Rosda Fifth 91 pièce par pièce en lui décrivant... Toute sa carrière qui n'est rien du tout. Il y a une partie généralement qui moi m'a fait rire. C'est quand il a dit que, euh, il a fait un peu la comparaison. Jay-Z quand il me voit, il pense que je suis... Jay-Z, think I'm Jay-Z. Nas, think I'm Nas. Toi, tu n'es que... Euh, you know you are another one from another one from another one. Il dit que toi, tu es le Chinda du Chinda du Chinda du Chinda. C'est-à-dire que tu es... Euh, comment on appelle ça? Comment expliquer? Tu n'es que, euh, euh, le larbin de Eminem, qui est aussi le gars de Dr. Dre, qui est aussi le gars de, tu, tu es une toute petite chose, en fait. Ça veut dire tu es le larbin d'Eminem, qui est le larbin de Dr. Dre, qui est le larbin de Jimmy Lovine. De rire dans ce truc là c'est le duo là où tu veux dire que si vous voulez comprendre que le pif est ce que fait par si vraiment des plus grands vous écoutez vraiment le, 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 le bif là il a déchiqueté rose da fif nine mais à un niveau où c'était euh... ça faisait peine à voir ça faisait peine à voir le bif et truc je crois qu'il y a mickey fats aussi je sais pas que je, je me rappelle plus pourquoi mickey fats était aussi dans la, 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 le bif aussi bref le, 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 le truc, c'est, euh, ils ont un peu fait une pause. Ils ont essayé encore de faire un épisode. Après, depuis ça, il n'y a plus eu d'épisode du podcast qu'ils avaient en commun. Ross mmh. Daffy est venu au Brefas Club un peu s'excuser par rapport à pas ah, qui s'excusait, mais qui regrettait un peu d'avoir traité Loupi Fiasco de salope depuis les deux. C'est pas comme s'il se parlent et tout. Euh, c'est un peu en froid, un peu par rapport à cette situation qui est un peu ridicule, qui s'est envenimée, mais pour rien. Mais c'est un moment, ça a créé un moment du hip hop un peu assez intéressant que j'aime. Moi, je dis, moi, j'adore les bifs. Quand il y a les bifs du hip hop, le hip hop, c'est les bifs. Vous avez un problème. Chacun prend son cahier. Bon, les, les cahiers n'existent plus. Chacun prend son ordinateur, ouvre Google Chrome, commence à noter les, les séries et chacun va se répondre. Le public décidera qui a gagné. Moi, je suis d'accord pour ça. L'essence du hip hop, c'est les bifs. Ce sont les bifs. S'il n'y a pas les bifs dans le hip hop, je ne sais pas de quoi on parle. On n'est pas en train d'écouter des albums d'Alain Bachou. Même si je suis un fan d'Alain Bachou, et pas dans le hip-hop, on n'est pas dans les délires de euh, histoire de Mélodie Nelson ou euh, écouter les albums d'Alain Bachung ou écouter euh, Shakirian quoi. Non, 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 non. Ici, il faut la castagne et c'est ça. Qu'importe ce que les les les, les petits nords comme Drake veut nous inventer comme règle quand il commence à perdre. Je suis désolé. Je suis pour les, je euh, suis pour les bifs du, dans les hip-hop. Bref, c'était un peu ma petite histoire un peu sur, euh, ce bif qui était assez amusant de loupé Fiasco à Rose N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.